Fontaine. Fable. L'âne et le chien. Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays, accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit, l'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré, dont l'herbe était forte à son gré. Point de charbon pourtant. Il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat. Et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre beauté s'en sut enfin, passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie. Je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdit un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours, que si le loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu me veux croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Очень чувственный монолог.